sommes réveillés avec la Lilette. Enfin, moi je suis réveillée depuis 8h30, j'ai mis ma miniature, ma vidéo et tout, le temps de descendre faire le petit déj, tout ça. Elle a dormi avec son haut, bon pas son bas mais avec son haut. Qu'est-ce que t'as piqué derrière ta main? Sur un grand carton. Ça. Du coup j'ai fait mon petit déj, j'ai pris mon nouveau truc Fit Tea et j'ai pris le 28 Day Detox, celui le nouveau là. Puis, moi c'est chez lui là quoi. Mon petit comme d'hab. Sauf qu'il n'y avait plus de fromage blanc, du coup j'ai pris du fromage du yaourt nature, mais ça rend pas pareil quand même. Et un petit bout de gâteau. Ça, ce verre c'est à toi. Oh, merci. Et mon petit verre de jus de citron comme d'hab. Il faut que j'aille chercher ma petite truc de vitamine Myprotein qu'il est là-haut. Et du coup ouais, la Lilette elle a dormi avec moi. Et je déjeune encore avec toi. Pendant que je dormais ce matin, non, elle jouait aux Sims. T'as pas vu que j'ai pris l'ordi en fait? Bah non, moi j'ai pas vu que tu jouais aux Sims, sinon je t'aurais pas laissé jouer aux Sims. Je dormais. Non mais t'as pas vu que j'avais pris l'ordi, tu vois. La sim au début tu jouais un petit jeu de VTT et l'ordi il était de ton côté. De mon côté pardon. Enfin bref. Ça veut dire quoi de VTT? Tu es l'eau. Qu'est-ce que j'allais dire? On va regarder sur l'ordi. On va regarder. Je vais regarder un truc sur... Mais il n'y a plus de batterie l'ordi en fait. Soit tu l'as carrément éteint. Soit t'as carrément usé toute la batterie. Et ben non, puisque ça fait. Donc là on va regarder des petites vidéos, des petits trucs, je sais pas quoi. Elle me met un truc sur Netflix, mais moi je vais regarder un peu YouTube aussi. Moi je vais regarder. Parce que je suis à jour à peu près, donc voilà. Limite il me manque presque des vidéos. Limite il n'y en a pas assez. Non en vrai ça va. Bon là je viens de faire une petite story sur mon snap de YouTube. De temps en temps comme ça je reviens. Et là faut absolument que j'aille m'habiller. La poste ferme dans 40 minutes et je dois envoyer mes colis. Au pire j'ai l'impression d'être sur Snapchat et avoir que 10 secondes, mais non il y a le temps. Vu que j'ai 3 colis à envoyer, je vais m'habiller, voilà. Et mes cheveux ils commencent déjà à regresser, ça m'énerve. Faut que je les lave pour ce soir. Bonjour, je vais me raser les cheveux hein, parce que les... Là elles sont bien, mais alors les racines, j'en ai marre. Puis le shampoing sec c'est bien, mais bon on va pas en mettre tous les 2-3 jours quoi. Stop, stop. Me voilà dans la voiture. Bon apparemment se fermerait peut-être à midi le samedi. On verra bien. Mais c'est qu'il y aurait presque du soleil. Ça me fait mal aux yeux. Mais j'ai réussi à me cacher. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais d'habitude je vais toujours à la poste. C'est pour chercher des colis. Et là c'est pour en envoyer. Ça va changer un petit peu. Il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? En plus de recevoir des colis tout le temps. Elle en envoie je ne sais combien. Du coup j'ai pris un gros sac Undies que j'avais eu quand j'étais allée faire, enfin que j'avais été invitée par Undies pour faire les soldes à Paris. Il m'avait donné un gros sac, j'ai mis dedans, on dirait que je pars en voyage quoi. Non non, c'est juste les colis. Bon voilà c'est fait. Ça va, ça n'a pas été trop long. Puis pendant que j'écrivais mes petits papiers avec les adresses et tout, il a pu faire d'autres clients à côté, donc ça va. Du coup quand même 20,50 € pour les 3 colis. Et là c'était que des vêtements, donc quand ça va être les chaussures normalement sur le site c'est 8,50 € que les gens payent en fait quand je mets les chaussures en vente, 8,50 € de frais de port. Par contre je me dis en fait sur le site Vinted tu peux pas mettre plus de 10 € de frais de port, sauf que si les personnes choisissent un lot de plusieurs paires de chaussures, genre si je choisis 10 paires de chaussures tu peux pas mettre plus de 10 € de frais de port, ce qui est complètement bête parce que ça coûtera beaucoup plus que ça. Donc faut que je fasse attention et que j'accepte pas les gros lots avec plein de chaussures. En fait je sais pas trop comment faire parce que c'est un peu... Je vais envoyer un message à Vinted pour demander. Parce que 10 € de frais de port, si la personne elle prend plusieurs paires de chaussures, ça me coûtera moi plus cher que ça. Donc c'est aussi pour ça que je fais quand même des petits prix, mais je peux pas non plus faire tout à 1 € je sais pas combien. Parce que sinon je vais y perdre parce que c'est moi qui vais dépenser tous mes sous en frais de port. Et au final ça me reviendra... Enfin je vais payer de moi-même en vendant des habits, enfin bref. Après il y a certains habits, je vous cache pas, il y a des habits que j'ai reçus et c'est pour ça que je les vends pas cher comme ça. Après avec les frais de port et tout, bah disons que j'ai gagné quasi rien quoi. Comme là 20 €, ça fait cher quand même. C'est pour ça que j'aime bien aussi que en colis relais, parce que j'ai pas payé les frais de port en fait. Vous payez 2-3 € je crois. Et moi j'ai juste à coller une étiquette et déposer, et en fait les 2-3 € ils me reviennent pas à moi mais ils reviennent au site. Et sachez aussi que le site prend une commission, il prend 50 centimes sur tous les articles plus 10% je crois, donc au final t'enlèves ça sur des trucs qui valent pas cher du tout, bah en fait j'y gagne pas beaucoup, mais bon je fais ça surtout pour me débarrasser et puis faire plaisir aux gens, que ça peut faire plaisir et pas que ce soit un business, hein, comme ça chez eux. Bon, après il y a certains articles je les mets un peu plus cher parce que c'est moi qui les ai achetés et qui sont genre il y a des paires de chaussures je les ai jamais mises et c'est moi qui les ai payées, donc quand tu payes une paire de chaussures 30 € que t'as jamais mis, t'as pas envie non plus de la vendre à 5 €. Bah, il lave sa voiture, je trouve c'est un gaspillage d'eau de laver sa voiture tout le temps là. Mais bref, voilà, mes colis sont déposés, maintenant je vais aller rentrer tous les numéros de colis sur le site, comme ça les filles vont savoir que leurs colis sont partis et voilà, et ceux en... du coup ceux au truc relais, j'irai peut-être les amener lundi ou mardi, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir, mais de toute façon c'est 5 jours je crois, donc pas avoir trop le choix en fait, mais bon faut que je puisse quand même. Après je crois qu'on peut dire qu'on a un problème de livraison. Oh peu là, mais voilà, à la maison faudrait que je me lave les cheveux aussi parce que avec Kylie on aurait bien tourné une vidéo de Sims et le problème c'est que cet après-midi elle va chez une copine. Bon j'ai remis un haut qui se traînait que j'avais mis cette semaine parce qu'on s'en fout, pour aller à la poste et surtout que je vais prendre ma douche après, donc bref. Là je vais regarder aussi les gens combien ils avaient payé de frais de sport parce que pour voir si ça vaut, enfin si c'est à peu près pareil. Bon c'est à peu près tous bons sauf une personne qui avait pris 3 vêtements et c'était en colis moyen, j'aurais dû mettre en colis gros parce que du coup elle a payé moins cher de frais de port que ce que moi j'ai payé, c'est pas grave mais voilà. Du coup faut que j'apprenne un peu, mais du coup après je trouve que ça fait cher des frais de port quoi, tu vois en fait les sites quand ils font des frais de port chers, je comprends, bon voilà je suis en particulier mais je veux dire quand t'es en entreprise tu dois peut-être avoir des offres, je sais pas trop, mais voilà faut que je regarde, d'ailleurs j'ai vu un truc Colissimo entreprise et comme j'ai une entreprise peut-être que je devrais regarder si ça vaut le coup ou pas. Pour le truc Colissimo entreprise faut écrire un truc là, faire un formulaire et tout. Pouf, faut écrire un message, je suis au message, je sais pas quoi dire moi. Ouais je vais envoyer des colis quoi. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour un petit vlog, c'est qu'on va vous montrer un peu la chambre des... C'est que je vais vous montrer la chambre des... Voilà, tu vois tout. Moi je regarde ça, c'est trop bien, j'adore. Tu vois, j'ai... Vous voyez toutes ces chaussures et tout. Et je vous dis à la prochaine pour faire une nouvelle vidéo. Bon, j'ai pris mon bain, j'ai mangé. Et là je vais me sécher les cheveux, je me suis tout démêlée. On regardait le Harry Potter 1 avec Kylie, en fait j'avais commencé à le regarder dans mon bain. Mais comme il est super long, là il est toujours pas fini d'ailleurs. J'avais regardé genre 1 heure dans mon bain. C'est là que je me dis, j'ai pris un bain aussi long. Ah bon? Voilà, donc là je vais me sécher les cheveux en lisant le livre de Marie. Voilà. Le ciel que vous venez de voir est beaucoup trop beau et c'est un truc de ouf comment... Parce que là elle est à 7 minutes 50 de vidéo et comment en 5 minutes quoi ça change de ouf, c'est énorme. Bon c'est l'heure du goûter. J'ai faim, bon il y a du lait hein, c'est pas rempli jusqu'en haut de céréales, il y a du lait c'est juste qu'elle flotte. Toujours devant Harry Potter bien sûr. Bon là je suis en train de me maquiller, on voit que j'ai fait un teint très... voilà, par contre mon nez on dirait qu'il est tout rouge. Comme ça dans le miroir, j'avais rectifié ça et ça fait bizarre sans maquiller, enfin les sourcils mais sans faire les yeux, du coup je vais utiliser la palette 4 couleurs de Clarins, c'est un petit peu mieux. Oui en fait j'avais testé un petit contouring du nez mais là il se voit beaucoup à la lumière, c'est trop bizarre. Bref on va regarder la palette. Bon, déjà dans un petit pochon comme ça, trop belle, et ensuite elle est comme ceci. Elles sont vraiment trop jolies les palettes Clarins quoi. J'adore, je vais l'utiliser tiens. Bon, je suis prête. On va se mettre à la lumière, mais mon main on dirait qu'il est rouge mais en vrai non. Du coup je vais vous montrer comment je suis habillée. Donc voilà, j'ai une chemise, on voit même pas qu'elle est rouge. Une jupe, collant. Et oui, le bazar par terre, on adore. Mes petites bottines que j'ai achetées à Gémeaux. Voilà. Vous connaissez ce souci des fesses qui remontent la jupe. Elle est plus courte derrière que devant quoi. Mais je peux pas la redescendre. Vraiment. C'est embêtant. Là on voit un peu mieux la couleur de la chemise. Et j'ai mis mon petit collier. Voilà. Et le pumpkin de Kylie. Parce qu'il était un peu camel. Il faut s'habiller en camel. Et en fait j'avais pas d'habit camel. Donc elles m'ont dit du beige ça passe. Donc je prends cette petite pochette. Voilà celle que j'ai mis au prix pour les Energy Music Awards. Vraiment je m'achète des petites pochettes. Parce que à part ça voilà quoi. Et j'ai mis mon collant pareil. Le collant Gémeaux là qui est comment dire. Un peu on dirait un collant de contention. Voilà. Si vous connaissez dans les maisons de retraite tout ça. Et chaussettes de contention. Voilà. J'ai reçu un message. Du coup je vous ai pas trop parlé de la soirée. Donc c'est Estelle du blog L'Esprit Chic qui bosse dans une boutique. Donc suite 341 si c'est bien ça. Ouais à Besançon. Et donc du coup elle a organisé voilà, une soirée blogueur et tout. Il y aura genre des mannequins, défilés et tout. Sachant que ça va être trop bien. Je suis trop pressée. Et donc faut qu'on y aille d'ici 5 minutes quoi. Faut juste que je choisisse un parfum. Mais lequel? Le choix est plutôt difficile. Mais je crois que je vais mettre celui-ci là. Que j'ai reçu l'autre coup. Qui sent trop bon et que c'est un nouveau du coup. Toujours envie de mettre les nouveaux. Du coup en bijoux j'ai mis maman de Daniel Wellington. Un petit bracelet qui est un peu or et blanc. Et de ce côté là un bracelet Namal que j'ai reçu aujourd'hui. Qui est noir en fait. J'hésitais à mettre le blanc, je sais pas en fait. Et un petit bracelet tout simple que j'avais eu dans la box Emma et Chloé. Dès que je le viens, je viens. blog, du coup, ton blog. Nelly, c'est par ici. Votre blog. Merde. Ah bah, et oh. Oui, bah on a rechangé. Ah bah, eh, pas de pub. C'est fini. Bon, toi t'es là. Le blog, ton blog. Mon blog, c'est Miss Télévie. Comment? C'est une page Facebook Miss Télévie. Ok, la Y. Avec un Y. C'est une page Facebook aussi, l'atelier mode à couture. Ah, il n'est pas entendu. L'atelier mode à couture de Diana. Ok. Blog. C'est confort au féminin. Je fais de la mode. Oui, Baimi, 23. 23. Bref. Pauline, bref. Super, on entend bien. Ok. Les lycées par ici. Ah bah, il y en a. Il faut de la pub. Mais Baimi, 23. Abonnez-vous. Suivez, commentez, likez. Hello. Bon bah là, je suis rentrée. Donc comme vous l'avez vu, on est allé ensuite à un petit bar boire un coup, bah pas avec tout le monde hein, mais voilà, c'était super cool, de super rencontres, c'était vraiment top. Donc encore un grand merci à Estelle et bah, toute la boutique, toute l'équipe, les mannequins, coiffeurs, maquilleurs, etc. Et barman aussi, enfin, qui s'occupait des boissons, etc. C'était vraiment top, il y avait à manger, à boire. Bon, j'ai pas mangé beaucoup parce que voilà quoi, j'avais pas resté dans le buffet à manger, surtout qu'il y a d'autres gens. Et du coup on a eu un petit cadeau, mais déjà regardez-moi ces sacs, comment il est super joli. Donc j'ai pas tout compris, je crois que Kusmi Tea appartient au même groupe, ou je sais plus exactement, j'ai pas tout entendu, j'ai pas tout suivi. Mais du coup on avait tout un petit Kusmi Tea. Donc là c'est le Kusmi Tea Prince Vladimir. Donc dedans il y a 10 petits thés et c'est le thé noir au citron, vanille et épices. Donc ça c'est top, vraiment. J'avais peur de tomber encore sur un thé cannelle et tout, parce que c'est souvent ça les thés en ce moment et j'aime pas du tout. Mais alors là je suis super contente. Et ensuite un tote bag, si j'arrive à vous le montrer. Donc my tote bag is... my heat bag is inside. Et c'est Claudie Pierlot, parce que oui, du coup le magasin, je crois que c'est écrit là-dessus, suite 341, ils vendent Sandro, Mage et Claudie Pierlot. D'ailleurs on pouvait faire un peu de shopping après. J'avais repéré un manteau qui était magnifique, bordeaux, épais, enfin tout ce que j'aime, sauf que ben disons qu'il était un peu à 425 € et que ben j'ai pas les moyens, mais dommage. Mais franchement c'était trop beau, le défilé c'était trop beau, les vêtements là-bas ils sont juste magnifiques quoi, enfin j'aime trop. Et on avait pu découvrir en exclusivité collection pour l'été, je crois, si je me trompe pas. Du coup faut que je fasse gaffe de ne rien vous montrer. Déjà là-bas j'avais mis des snaps où on voyait, du coup vu qu'il n'y avait pas de réseau dans la boutique, j'ai pu les supprimer bien avant de les mettre. Mais voilà, c'était exclusivité pour nous. Et là vu que bah, j'ai pas trop mangé, et puis j'avais pas mangé avant de partir, j'ai un petit plat de lentilles, j'aime trop ça. Voilà, donc je vais manger, ensuite je vais me démaquiller, mettre en piche, enfin bref, la routine. Je vous ai même pas trop montré mon maquillage, ça va, il est assez tenu, mais bon ce gros zoom près on va éviter. Donc encore merci à tout le monde et super contente du coup bah, d'avoir fait de jolies rencontres. J'espère qu'on se reverra et qu'on se refera des petits trucs ensemble. Et bah, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Peut-être, peut-être pas, parce que demain je suis pas sûre de vloguer. Voilà. Et après-demain non plus. Et ensuite je reprends le stage lundi. Enfin bref, on verra bien. Mais en tout cas je vous dis à plus tard et je vous fais de gros bisous.